RTL, 14h-15h30, c'est le Bon Dimanche Show. Bonsoir Joël Dicker. Bonsoir. On est très nombreux. Hein. Bonsoir à tous, ça me fait très plaisir. Vous êtes une rockstar un peu maintenant. Non, mais c'est les livres. En fait, ça me fait plaisir de voir toujours et encore l'attrait que les livres ont. Pas mes livres, que la littérature évidemment, mais que la lecture a sur nous tous. L'auteur Harry Kébert a été arrêté aujourd'hui après que la police ait découvert des restes humains sur sa propriété. Il pourrait s'agir de la jeune Nola Kellerghan, disparue en août 1975 alors qu'elle était âgée de 15 ans. C'est quelqu'un que j'ai connu. Et je ne l'ai pas tué. Je vous promets qu'on va vous faire sortir de là. Allez voir ces braves gens de Summerdale. Ce sont tous des témoins potentiels. On voyait parfaitement l'intérieur du cube de verre. Un homme qui se savait invisible dans ses vêtements de sport sombre était accroupi derrière un tronc, les yeux rivés sur Sophie dans sa cuisine. Sophie, son café à la main, observait la lisière de la forêt qui marquait la fin de son jardin. C'était son rituel du matin. Elle embrassait du regard son petit royaume sans se douter qu'on l'épiait. À quelques kilomètres de là, au centre de Genève, une Peugeot grise aux plaques françaises roulait sur une avenue déserte. Dans le jour naissant, on ne distinguait pas son conducteur à travers le pare-brise. Merci de nous accueillir chez vous en ce dimanche après-midi. Merci d'accueillir celui qui va faire son Bon Dimanche Show. C'est le seul, l'unique, Joël Dicker, qui est à mes côtés. Je suis ravi de vous accueillir. Bonjour, Joël. Très heureux d'être là. Le nouveau roman de Joël Dicker s'appelle « Un animal sauvage ». Je vais tout de suite tuer le suspense. J'ai adoré ce livre. Et Dieu sait que souvent, quand on reçoit un auteur à succès, on se dit « Tiens, et si c'était moins bien ?» Du coup, on pourrait titiller un peu. Non, c'est ça le problème. Mais merci, c'est un bon problème. Oui, c'est un bon problème. C'est un bon problème, surtout que... Mais on va en parler. Vous, je sais qu'au-delà d'écrire des livres, ce que vous aimez par-dessus tout, c'est que les gens se mettent à la lecture. C'est l'acte de lire, ouais. Déjà, qui en soi est une réussite vous concernant. On va parler d'un animal sauvage, cher Joël. Mais avant cela, on a une habitude dans le Bon Dimanche Show. On a l'habitude d'ouvrir notre comité d'accueil. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui ont voulu vous laisser un message, qui, pour vous dire quelque chose, pour nous raconter une anecdote ici sur RTL et le premier, je crois que c'est un ami proche, il s'agit de Garou. Salut cher ami, c'est Garou, j'espère que tu vas bien. Écoute, normalement je te ferais ce message pour te souhaiter un grand succès pour ton nouveau bouquin, mais comme ton animal sauvage est déjà un grand succès, d'ailleurs je fais les librairies pour essayer d'en trouver une copie, désespérément. Ben écoute, que ça continue et surtout, j'espère que le succès pourra se calmer pour qu'on puisse se voir bientôt parce que tu me manques beaucoup. Et on se fait signe puis on se voit au plus vite. Je t'embrasse et je t'aime de tout mon cœur. À très vite. Ciao. C'est trop mignon, mais je suis tout d'un coup dans le doute. Ça veut dire que je ne l'ai pas envoyé le bouquin. Ça veut dire ça Je suis vraiment un ami de merde. C'est la façon de tourner qu'il a eu de laisser ce message. Non, mais je suis hyper troublé. Mais en fait, tu sais quoi, je l'ai vu juste avant la parution. Ouais. Il est passé par Genève. Et d'ailleurs, on parlait parce qu'en ce moment même, on vient de finir la saison du sirop d'érable. Ouais. Au Canada, et je sais que lui, il s'est lancé dans la récolte de sirop d'érable. Il y a toujours des idées complètement folles et incroyables dans le bon sens du mot. Et je lui avais dit, mais je viendrai, je vais venir, parce que je pensais que j'aurais le temps de tout faire, évidemment. Mmh. Et je pense que j'imaginais aller le voir, récolter du sirop d'érable, lui amener un livre, mais je vais me faire pardonner. D'ailleurs, il le dit en préambule dans son message, le livre est sorti le 27 février dernier, et oui, c'est déjà un succès. En France, on approche des 300 000 exemplaires vendus, ce qui est dingue. Il a été numéro 1 à sa sortie en France, en Italie et en Espagne. Ouais. On va parler de ça tout à l'heure, mais continuons notre comité d'accueil. Quelqu'un d'autre a voulu vous laisser un message, il s'agit d'Alexandre Kominek. Salut Joël, c'est Alexandre Kominek, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis très content de te savoir dans l'émission de Bruno Guillon, hein, qui m'a tout de suite appelé en sachant qu'il te recevait, parce que toi comme moi, on est Suisse, mais toi comme moi, on est surtout des hommes de lettres. C'est vrai que dans mes récits, j'utilise un peu plus le mot « bite » que toi, mais je suis très content de te savoir chez les Frouzes. Bienvenue chez les Frouzes, et s'il te plaît, vends-leur un max de bouquins. Vends-leur, mais prends-leur tout leur pognon, tout ce pognon qui nous pique ensuite chaque jour avec leurs deux frontaliers, voilà. Je vais pas le dire, mais il était au bout de mes lèvres, voilà. Donc, prends-leur un max d'oseille, bienvenue chez les Frouzes. Puis, Bruno, on se voit bientôt au tribunal pour ton procès, non? C'est quoi? C'est le 6? Ouais,
C'est ça, c'est le 6. J'adore. C'est un mec, il ouvre la bouche, je ris déjà, quoi. Ah. Il est extraordinaire. Je vais vous avouer un truc, je l'ai vu sur scène il y a quelques semaines maintenant. Je pense que c'est le gars qui m'a fait le plus rire en one man de ces 10 dernières années. Et il est extraordinaire. C'est un dingue. Il est incroyable. Ouais. Il est incroyable. Et si tu déprimes, tu peux aller voir quand il est... Tous les matins ou presque, il se poste à 5h du mat en route vers le succès. Il se fait un café et tu vois ses yeux, tu vois son... Et juste ça, ouais. Si je suis de mauvaise, tu vois, je regarde ça et je suis de bonne humeur. Il est incroyable. Autre message de votre comité d'accueil, il s'agit de Nicolas Feuze. Alors, il est auteur de romans policiers, il est suisse également. Absolument. Et d'ailleurs, il est signé sur votre maison d'édition, Rosie & Wolf. Ouais. Et il vous a laissé ce message. Salut Joël, c'est Nicolas Feuze. J'ai eu l'immense plaisir et surtout l'honneur que tu me demandes si je voulais rejoindre en tant que premier auteur francophone de l'aventure Rosie & Wolf. Je dois bien admettre qu'au départ, ça ne s'est pas fait sans appréhension de ma part. C'était au printemps 2021 déjà, avant que tu n'annonces publiquement la création de ta maison d'édition. Et je me souviens avoir regardé mon agenda ce jour-là pour m'assurer qu'on n'était pas le 1er avril. Tu as vite su trouver les mots pour me convaincre. Derrière l'écrivain que tout le monde connaît, j'ai découvert en toi un éditeur bienveillant, à l'écoute, mais surtout un homme qui s'est impliqué personnellement dans chaque mot que j'ai écrit. Mon polar Le Philatéliste a vu le jour en octobre 2023 et je me réjouis déjà de la publication de mon second polar chez Rosie & Wolf en octobre 2024. Ceci dit, j'ai une question à te poser qui me tarabuste depuis 3 ans, je ne l'ai jamais posée. Il y a tant de bons auteurs de polars sur le marché. Alors, pourquoi moi ? Est-ce qu'un livre en particulier a dicté ton choix ? Pourquoi lui ? Mais parce que Rosie & Wolf, c'est une maison d'édition que j'ai créée avec l'idée, enfin, ce que je voudrais beaucoup, c'est montrer que des mêmes livres peuvent réunir des gens qui ne sont pas du tout similaires dans les genres de lecture qu'ils ont, dans les lecteurs qu'ils sont. Ça veut dire, j'aimerais faire paraître des livres qui vont être lus et appréciés par des gens qui lisent beaucoup et des gens qui lisent très peu. Et ça peut être des livres difficiles, ça peut être, on a des essais, ça peut être aussi des livres, des romans plus divertissants. Et je trouve que justement, Nicolas, il répond vraiment à ce critère-là parce qu'il va réunir des gens de tout milieu, de tout bord, des gens qui lisent un livre par année ou des gens qui lisent un livre par jour. Et c'est en ça que je trouve qu'il fait un boulot formidable. Dernier message de votre comité d'accueil. Je ne vais pas donner son nom. C'est une chanteuse dont vous adorez les chansons et qui vous a laissé ce message écouter. Bonjour Joël, c'est Jennifer. J'espère que vous allez bien. Je suis moi-même absolument fan de l'écrivain que vous êtes. Depuis les aventures haletantes d'Harry Kéber jusqu'aux péripéties de Fauve, cet animal sauvage dont j'ai dévoré les 400 pages, des plages des Hamptons aux rives du lac Léman, votre œuvre littéraire occupe une grande partie de mon précieux temps libre et je m'impatiente de votre prochain livre dès que la dernière page du précédent est achevée. Au plaisir de vous lire, cher Joël, et à bientôt, j'espère. Bon ben Bruno, je peux aller me coucher maintenant. j'arrête de travailler. C'est... Bon, elle vous met un peu la pression dans le message. Attends, elle attend déjà le nouveau, hein, du coup. Hyper touchée. Et tu sais que j'adore Jennifer. Ouais, je sais. Depuis toujours, enfin depuis qu'on la connaît. Ouais. Voilà, tu vois. Sans voix. Les mots me manquent. Eh ben voilà. Écoutez, en tout cas, il ne vous manque pas dans votre roman. Mais... Il s'appelle Un animal sauvage. On va parler du nouveau roman de Joël Dicker qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. À tout de suite. Le saviez-vous ? Le bon dimanche chaud est la seule émission qui est aussi savoureuse avec une douzaine d'huîtres qu'avec un paquet de chips. RTL tous les dimanches, c'est Bruno Guillon. C'est Joël Dicker qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Un animal sauvage sorti chez Rosie & Wolf en février dernier. Cartonne déjà, je le disais. Avant qu'on parle de ce qu'il y a à l'intérieur de ce roman, vous enchaînez les romans à succès. Est-ce que ça met une pression supplémentaire quand on écrit Joël ? Et avant qu'un roman sorte, on se dit « Waouh, il faut qu'il marche autant que le précédent. Waouh, il faut qu'il fonctionne. » Comment ça se passe au niveau de l'écriture ? C'est quoi le processus ? Il y a une pression, mais qui arrive vraiment quand le livre paraît. Avant ça, puisqu'on parle du processus même, c'est particulier parce que l'écriture, c'est un moment où on est complètement seul. Mm-hmm. En plus, je vis en Suisse, j'écris en Suisse, à Genève, ville très calme. Et j'ai une routine comme ça, très calme, très distante du succès, qui lui-même, le succès d'un livre est particulier parce que c'est pas comme un musicien qui joue tous les soirs devant
des milliers de personnes. C'est pas forcément comme un acteur qui représente ce qu'il est, puisque même s'il joue, c'est son visage qui est marquant, on le reconnaît tout de suite, il est identifié. Moi, il y a toujours une distance, parce que les gens, c'est par rapport à mes livres, c'est pas par rapport à moi. Et souvent, les gens me disent dans la rue, si on me dit, Monsieur Dicker, souvent. On me dit pas Joël, on me dit Monsieur Dicker. Et puis, on me dit pas Je vous aime, comme ça peut être le cas de vedettes de cinéma ou d'autres de artistes. Rockstar, on me dit, ouais. On me dit J'aime vos livres. Ouais. Et donc, ce biais, il rend ce succès au fond très sain. Et il enlève toute forme de pression parce que ça me ramène au livre et ça me ramène au fond à ce que je fais depuis maintenant 15 ans. Et ça me remet toujours dans cette position au fond de jeune auteur parce que c'est que mon 7e roman. Et je pense souvent à ça, mais voilà, bah c'est vrai que j'ai tout ce succès qui est incroyable. Je suis reconnaissant envers la vie, envers mes lecteurs, envers tout ça. Il y a, voilà, une grande part aussi de chance. Il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi une part de chance, évidemment. Et donc, tout ça fait que quand je me replace dans mon bureau chez moi à Genève, eh ben, je suis très distant de tout ça. Il n'y a pas cette pression. Alors, ça va être compliqué, évidemment, de parler du roman sans déflorer les énigmes. Moi, je l'ai vraiment abordé en me disant, alors, dis donc, le Jojo, à chaque fois, il m'a eu dans son bouquin. Là, je peux te dire que je vais trouver ce qui va se passer et je ne me ferai pas cueillir dans les dernières pages. Eh ben, c'est raté, évidemment. Mais pour parler de ce bouquin, il faut en donner le contenu. Est-ce qu'on a une petite musique d'ambiance qui pourrait me permettre de vous donner envie, en quelques phrases, de lire ce livre et en faisant un rapide résumé? Nous sommes à Genève. Un braquage a lieu le 2 juillet 2022. Deux malfaiteurs sont sur le point de dévaliser une grande bijouterie. Mais ce braquage est loin d'être un banal fait divers. 20 jours plus tôt, dans une banlieue cossue des rives du lac Léman, Sophie Braun s'apprête à fêter ses 40 ans. La vie lui sourit. Elle habite avec sa famille dans une magnifique villa bordée dans la forêt. Mais son monde idyllique commence à vaciller. Son mari est empêtré dans ses petits arrangements. Son voisin, un policier pourtant réputé irréprochable, est fasciné par elle jusqu'à l'obsession et l'épie dans sa vie la plus intime. Et un mystérieux rôdeur lui offre, le jour de son anniversaire, un cadeau qu'il va la bouleverser. Il faudra de nombreux allers-retours dans le passé, loin de Genève, pour remonter à l'origine de cette intrigue diabolique dont personne ne sortira indemne, pas même le lecteur. Tadam, bravo. Pas mal hein, comme ça. Ouais. Hein. C'est et après, voilà, il y a ce talent d'écriture qui fait que, en fait, un peu comme dans un film, quand on écrit un scénario de film, on est obligé de faire des rebondissements toutes les 20 pages. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, quand je l'ai lu, Joël, je me suis dit, mais c'est écrit pour être adapté au cinéma. Est-ce que, quand vous écrivez, vous y pensez, vous dites, ah tiens, ça pourrait être telle actrice, ça pourrait être tel acteur? Non, parce que ce que j'aime justement, c'est qu'un livre laisse beaucoup de place au lecteur. Et ce que j'aime, comme moi je lis aussi, hein, parce qu'évidemment je suis devenu écrivain parce que j'aime lire, c'est imaginer, c'est créer ses personnages, c'est créer ses lieux, c'est les imaginer comme je veux moi. Et donc quand j'écris, je pense jamais à mes personnages vraiment physiquement. D'ailleurs, je serais incapable de les décrire vraiment. Ils sont toujours un peu flous. Et je tiens à ça parce que c'est vraiment une part du travail que je laisse à mes lecteurs. C'est leur livre. Et je serais bien embêté si on me disait, ok, alors qui tu veux, tu peux choisir l'actrice et l'acteur que tu veux pour un film demain, choisis n'importe lequel, ça sera eux. Je serais incapable parce que je ne sais pas est-ce que Sophie est blonde ou brune, petite ou grande, j'ai aucune idée. Si vous avez besoin d'un petit gros, hein, je connais quelqu'un. ça s'appelle Un animal sauvage. Et alors j'ai l'impression que vous avez une affection particulière pour les animaux, cher Joël, puisqu'en 2005, votre première nouvelle publiée s'appelait Le Tigre. Et à l'âge de 10 ans, vous avez été élu le plus jeune rédacteur en chef de Suisse en fondant la Gazette des animaux. Oui. Alors, on a voulu savoir quel animal sauvage sommeille en vous. Joël Dicker, voici l'interview Animal Sauvage. Joël Dicker, est-ce que comme le lion, vous avez l'ascendant sur ceux qui vous entourent? Non, je crois pas. Ouais. Ouais. Quand vous écrivez un bouquin, la première personne qui jette un œil dessus et qui peut vous apporter un regard critique, c'est qui? En général, c'est ma femme, ouais. La lionne. Ouais. Oui, le lion, il dort hein, en général. Bien sûr. Vous avez vu les troupes de lions. Joël, est-ce que comme l'éléphant, vous avez une bonne mémoire? Oui. C'est important. C'est important. Notamment dans ce genre de bouquin, parce qu'il se passe un truc dans Un animal sauvage. Je ne vous cache pas que j'ai fait un truc qu'on ne peut pas faire au cinéma. Sur 2-3 rebondissements, je suis revenu quelques pages en arrière pour dire « Ah mais oui, c'est vrai !» Mais c'est le but du jeu. Ouais. C'est le but du jeu, c'est que justement, et j'aime bien ce pari au début, le lecteur se dit mais je vais y arriver. Et ça veut dire que moi j'aime bien ce défi parce que ça veut dire que quand j'écris ce livre-là, je suis obligé de laisser des portes pour que mon lecteur puisse comprendre avant. Ouais.
Et s'il n'y avait pas ça, ce ne serait pas un vrai jeu. Donc c'est un vrai jeu. Et le lecteur peut savoir. Et tout le but, c'est que le lecteur, malgré tous les indices, malgré parfois les indices devant lui, devant ses yeux, c'est là, et on passe à côté. Et est-ce qu'il n'y a rien qui me plaît le plus qu'un lecteur qui me dit « mais alors je suis revenu en arrière ». Oui. Parce que non, c'est pas possible, il s'est trompé. On mais bien sûr. Mais moi, j'ai cherché ça, j'ai cherché l'aspérité en disant « mais non, il y a forcément un moment ». Et puis non, en fait. Et ça, c'est le jeu, c'est ce qui me plaît. Est-ce que, comme le loup, Joël Dicker, vous préférez être en meute ou alors plutôt solitaire ? Plutôt solitaire. Est-ce que, comme l'écureuil, vous êtes du genre à faire des réserves pour les temps plus durs ? Oui. D'accord. Est-ce que, comme les caméléons, vous vous adaptez à toutes les situations ? Ah, complètement. Ouais. Est-ce que, comme la hyène, vous vous marrez souvent ? Oui. Et enfin, est-ce que, comme les kangourous, vous avez beaucoup de choses dans les poches ? Non. Joël Dicker fait son bon dimanche chaud sur RTL. On parle du livre Un animal sauvage, sorti chez Rosie & Wolf. À tout de suite. En l'an 1555, le mage et astrologue Nostradamus prédisait déjà le bon dimanche chaud. À la radio, une émission chevauchée par Bruno Guillon, avec ses invités prestigieux et des blagues inspirées par les dieux. Visionnaire, le gars. Bruno Guillon sur RTL. Et la pizza à l'ananas, c'est vraiment fort dégueulasse. Visionnaire. Joël Dicker est avec nous sur RTL. On parle d'un animal sauvage, le nouveau roman de Joël Dicker. Alors, vous avez écrit au sujet de ce roman, cher Joël, que c'était la première fois que vous faisiez une immersion pour écrire sur l'un des personnages, Greg, qui est policier dans le roman. Et vous avez fait un stage dans le groupe d'intervention de la police genevoise, le GIPG. Oui, après coup. Ah, vous l'avez fait après. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que je ne veux pas me renseigner avant. Pourquoi ? Parce que c'est un roman, c'est de la fiction. Et souvent, la fiction, elle a besoin d'être complètement libre. Et systématiquement, surtout pour des choses très précises, des enquêtes de flics, des techniques, de comment ils travaillent, ça risque de venir perturber votre récit et ça risque de perturber justement tout le mécanisme qui fait que le roman est plaisant, que ça fonctionne, que vous, lecteurs, vous êtes aussi un peu participants. Parce que les policiers, souvent, ils ont des techniques, on ne comprend pas grand-chose. Mmh. Ils écoutent, ils s'infiltrent par le réseau Wi-Fi. C'est très informatique maintenant. Et ce n'est pas aussi plaisant que les vraies enquêtes à l'ancienne que je revendique. Et donc, je ne veux pas savoir ce qui se passe, je ne veux pas vérifier avant, mais après coup, je suis assez curieux de savoir. Et donc, Greg est membre du GIPG, c'est-à-dire c'est le GIGN. Ouais, français, c'est ça, ouais, le SWAT américain. Exactement. Et j'ai eu le plaisir de les rencontrer après coup et de voir comment ils bossent. Et c'est hyper impressionnant. Hein. C'est des gens très impressionnants. Mais alors, l'idée de départ, parce que là, on rencontre deux couples que tout oppose. Pour simplifier, on a le couple idéal, riche, amoureux, qui vit dans une maison d'architecte qu'on appelle le Cube. Mmh. Et il y a un autre couple avec justement Greg, ce policier. Qui est un peu moins glamour, un couple un peu à bout de souffle, qui vit dans un lotissement appelé la Verrue. Et c'est justement le mélange entre guillemets entre ces deux couples qui va créer l'histoire. Le point de départ, quand vous partez sur un roman, cher Joël, c'est quoi ? Est-ce que cette Sophie, c'est une copine d'une copine de votre femme que vous avez croisée dans une soirée ? Je veux dire, est-ce qu'il y a un déclenchement de trucs que vous avez vus ? Ou alors vous vous posez. Ouais, c'est ça. Oui, non, je ne veux pas foutre la merde dans votre couple, Joël. Non, mais c'est quoi le point de départ ? À quel moment on se dit ça y est, j'ai l'idée, je pars sur ça ? Il y a d'abord beaucoup d'idées avant l'idée. Ouais. Parce que je n'ai pas de plan, donc je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Il y a des choses très évidentes. Pour ce livre-là, ça devait se passer à Genève, en Suisse, où je vis. Pourquoi ça devait ? Parce que j'avais envie de ça. C'est un truc très évident. Ras-le-bol des États-Unis, ça va bien, on a fait le tour. Ras-le-bol ou surtout envie de changer. C'est par rapport à qu'est-ce que je veux faire maintenant. Donc ça, c'est tout de suite un décor immédiat. Et puis ensuite, je commence à réfléchir un peu, me viennent quelques idées de personnages. J'avais envie d'une femme, sans en dire trop, mais il y a Sophie qui est ce personnage très fort, très central, ouais, qui va incarner un peu tout, qui va être aussi le prisme à travers lequel on rencontre tous les personnages. Et puis peu à peu, je me pose l'idée du rythme et du tempo. Dans mes précédents romans, pour ceux qui les ont lus, il y a un meurtre qui donne un peu ce rythme parce qu'il s'est passé quelque chose et on a envie de savoir ce qui s'est passé dans le passé. En amont, ouais. Et là, je voulais faire quelque chose de plus immédiat. Ouais. Et je ne sais pas comment l'idée du braquage vient tout d'un coup et je me dis, mais le braquage, c'est très immédiat parce que c'est quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Et donc, à la différence des précédents livres où on remonte dans le passé pour comprendre qui est mort ou pourquoi il est mort, il se passe quelque chose maintenant.
c'est un braquage qui a lieu maintenant et on veut comprendre pourquoi, qui sont ces braqueurs, ils sont deux, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer pour eux, qui est mêlé à ça. Et c'est pour ça que ce roman commence très rapidement, c'est quelques lignes, c'est une page en disant deux braqueurs entrent dans une bijouterie, on est le 2 juillet 2022, ils commencent ce braquage, ils enclenchent un chronomètre, ils ont 7 minutes et là on tourne la page, on est 20 jours avant. Et 20 jours avant, c'est un peu le passé évidemment, mais c'est seulement 20 jours, donc on sait qu'on est déjà dedans. Et ça donne, tout d'un coup je me suis dit, mais ça donne un rythme et c'est vraiment ce que je voulais. Mais alors justement, puisqu'on parle de rythme, c'est quoi votre rythme d'écriture, cher Joël ? J'avais eu la chance de recevoir ici à ce micro Éric-Emmanuel Schmitt, qui m'expliquait que lui, il avait un bureau qui était dans une sorte de tour, et qu'il se levait de bonne heure le matin, et dès 7 heures, il était devant son ordinateur, et il écrivait pendant 6 heures, et il ne faisait que ça, comme un travail dans lequel on irait pointer. Est-ce que vous pouvez vous poser et puis faire autre chose, etc. ? Vous avez pareil une discipline d'écriture qui fait que du lundi au samedi, de telle heure à telle heure, vous êtes devant votre ordinateur. Il y a une discipline qui est indispensable, qui parfois, quand vous êtes dans votre livre, vous ne savez plus si la discipline, c'est écrire ou de ne pas écrire, justement, de dire bon, ben, stop pour aujourd'hui. Mais il y a une discipline qui est très importante parce que c'est une continuité, c'est 2 ans de travail, des fois plus, pendant lesquels il faut rester concentré, comprendre ce que vous faites, il faut que ça fonctionne. Mais cette discipline, elle est plaisante parce qu'elle est la seule façon d'arriver à mettre ensemble ces pièces. Et c'est un vrai plaisir. Moi, je sais, par exemple, que le matin, c'est vrai que c'est un moment qui est particulier, mais le matin, très très tôt, en général, 4 heures, c'est une bonne heure pour moi, parce que c'est vraiment un moment où tout le monde dort, il y a une sorte de calme, vous regardez dehors, il fait encore nuit, tout le monde autour de vous dort, il y a ce sentiment que le monde est à vous. Et ce livre-là, je me levais même à 3 heures, parce qu'en fait, à 4 heures, je me réveillais, je me disais, mais je pourrais même me lever plus tôt, je sentais, c'est presque physiologique, hein, et vous remontez le réveil encore un peu, vous voir 3h30 et 3h15 et 3h. Après, au-delà de ça, je crois que c'est pas possible parce que ça devient un peu fou. Oui, c'est physiologique après. Mais il y a comme ça ce plaisir de vouloir retrouver le plus vite possible ces personnages, ces lieux. Et c'est un bon sentiment parce que le plaisir, c'est ce qui vous garantit au fond une forme de succès pour vous. Parce que vous pouvez pas savoir si un livre aura du succès. Vous pouvez pas prédire que ce livre aura un succès fou. Vous pouvez pas prédire le succès commercial ou critique d'un livre en général. Parce que si on pouvait le prédire, s'il y avait des recettes, s'il y avait des techniques qui font qu'on prédit le succès, tous les auteurs du monde seraient très heureux. Par contre, le succès, si c'est le plaisir que vous avez eu pendant 2 ans à vous lever à 3h du mat, en vous disant « Waouh, c'est génial de se lever à 3h du mat pour écrire !» Alors ça, c'est un succès qui est à vous et qui valide déjà beaucoup. Alors puisque vous parlez d'auteurs à succès, ça tombe bien. On va faire un petit comparatif avec des camarades à vous, contemporains ou non. C'est votre interview grands auteurs, cher Joël. Est-ce que, comme Arlan Coben, vous faites très attention dès que vos livres sont adaptés à l'écran ? Quand il y a eu l'adaptation en série de l'affaire Éric Hébert, est-ce que vous avez été très proche de cette adaptation jusqu'au choix des acteurs, genre Patrick Dempsey par exemple? J'ai beaucoup su. Alors, Arlan, très très grand auteur, hein, je crois qu'il fait 1m95 ou tout ça. Dire non, parce que j'ai un truc sur Mimi Mati à un moment par rapport à sa biographie, vous allez t'emmerder hein, sur cette vanne. Non, j'ai eu beaucoup de plaisir dans Éric Hébert, à suivre sans me mêler, mais vraiment à suivre. J'ai suivi tout le tournage. Jean-Jacques Hano a été vraiment incroyable parce qu'il m'a expliqué, il m'a montré, il m'a raconté, il a répondu à toutes les questions que j'avais, mais qui n'étaient pas des questions de contrôle, mais vraiment des questions de plaisir et comprendre comment on fait une série télé. C'était une expérience pour ça incroyable. Est-ce que comme Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux et qui réécrivait régulièrement ses romans, vous revenez parfois sur un livre que vous avez déjà sorti ? Non, jamais. Je ne les ai pas relus. Je ne relis pas ce que j'ai écrit parce que j'aurais envie de tout changer. Parce qu'on peut tout changer, on peut tout toujours changer. On peut rechanger une virgule, une phrase, on enlève ça, on ajoute ça, on change tout. Et je crois que ce qui est fait est fait. Et ce qui me plaît, c'est faire quelque chose de nouveau. Est-ce que, comme Voltaire, vous auriez trop envie d'être étudié au bac de français ? Non, ça va. Non, bah, c'est-à-dire que j'ai pas envie de laisser un souvenir à des étudiants comme ça, en disant c'était horrible, j'ai raté mon bac à cause de lui, etc. Non, en tout cas, c'est un grand honneur, évidemment, parce que ça veut dire que vous êtes un auteur qui a réussi à perdurer sur le temps. Mais je ne crois pas que ce soit quelque chose, une fixette à avoir ou un destin en soi. Est-ce que, comme Marcel Pagnol, vous êtes fier de représenter dans votre œuvre votre région d'origine ? Ah, ça oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très important pour moi. Et c'est important de le partager aussi à l'étranger. Ce n'est pas seulement de raconter la Suisse, mais c'est surtout de dire à l'étranger, voilà, de parler de la Suisse, de le raconter hors du livre, de représenter un peu ça
en tant que personne humaine, personne physique, c'est très important. Est-ce que, comme John Steinbeck, vous craignez parfois que vos œuvres soient réduites à une sèche catégorisation d'ordre esthétique ou idéologique qui s'étudie pour pouvoir appréhender derrière les variétés le substratum de l'œuvre, un peu comme le behaviorisme qu'il défend? Alors, cette question est très chiante, mais en fait, on est un peu en guerre avec France Inter. Et donc, moi, je suis obligé à un moment de faire un truc où les gens se disent « Ah ben, j'y retrouve un peu de la culture. » Attendez, je mets mes lunettes au piano, s'il vous plaît. L'étude de John Steinbeck nécessiterait de revenir aux prémices de l'œuvre. Non, John Steinbeck, qui est un des auteurs que j'aime énormément, et justement parce que c'est un auteur qui raconte une histoire de l'Amérique, déjà. C'est un auteur qui est un auteur du terroir, qui va vous raconter cette Amérique qui a souffert et qui souffre toujours, qui raconte vraiment le cœur de l'Amérique, qui, moi, est un sujet qui me parle beaucoup. Et puis, c'est un auteur qui, quand même, réunit de nouveau, réunit des lecteurs. C'est un auteur qui peut être lu. Vous prenez, pour moi, un de ses plus grands livres, Des souris et des hommes, qui doit faire au collège, mais qui fait 180 pages. Vous voyez, c'est un livre qui peut amener à la lecture des gens qui ne lisent pas. Très grande œuvre. Eh, France Inter, chais. C'est Joël Dicker qui fait son bon dimanche show sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants. Et c'est Valérie Zetoun qui va venir nous rejoindre et qui va parler de quelqu'un que je suis sûr vous appréciez également. Joël, à tout de suite. Bruno Guillon, il est... Bon, en tout cas, il est sur RTL jusqu'à 15h30. C'est déjà ça. Un animal sauvage, c'est le nouveau roman de Joël Dicker qui nous fait la joie d'être dans le Bon Dimanche Show. Aujourd'hui, on va continuer à parler de ce roman. Je voudrais juste en aparté, si vous me permettez, cher Joël, dire que l'affaire Alaska Sanders, qui est sortie il y a quelques années, est désormais disponible en version poche. Absolument. Je dis ça parce que comme on va approcher des grandes vacances, le petit bouquin poche, il se loge dans le sac de plage. Mais vous avez bien raison. Sans aucun problème et de façon très tranquille. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de ce bouquin, je vous parlais de votre processus d'écriture. Maintenant, cher Joël, vous faites plus le con, vous avez un disque dur externe. Parce qu'en 2017, on peut raconter cette anecdote, mais en fait, vous aviez paumé votre ordi. Quelle angoisse. Avec votre bouquin à l'intérieur. Oui, absolument. Et sans aucune copie disponible. Sans aucune copie, rien. Maintenant, j'ai deux serveurs maintenant. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et j'ai deux serveurs, sauf une clé USB que je prends, que je prends avec moi, que je garde toujours avec moi. J'ai oublié mon ordinateur à la sécurité dans un aéroport. Et je mets mon ordinateur sous la machine, comme tout le monde. Ouais. Je prends mon sac et je pars avec mon sac. L'ordinateur reste là. Je vais à l'avion, je monte dans l'avion. L'avion décolle. Et j'ai vraiment ce souvenir parce qu'au moment où il décolle, je me laisse un peu bercer. Je m'assoupis et tout d'un coup, j'ai cette vision de l'ordinateur qui est resté à la sécurité. Je dis « Ordinateur, ordinateur !» Et tu veux te lever, mais l'avion il décolle, donc tu veux prendre ton sac. Mais on dit « Bougez pas, bougez pas !» Donc t'attends. Finalement, t'attends que le petit signal ding, tu te lèves, t'ouvres ton sac et t'es là. Oh mon Dieu. Alors figurez-vous qu'ils peuvent communiquer quand même avec le sol par des espèces de messages textes. Enfin, ils ont pu parler à l'aéroport. Ils m'ont retrouvé mon ordinateur, ils me l'ont gardé. Mais ça a duré quelques semaines. C'était Alaska Sanders c'était le bâtiment Non, je crois que c'est Stephanie Meyer. D'accord. Ouais. Et il était déjà abouti, c'est-à-dire il était très abouti et j'ai mis 3 semaines parce que je suis parti pour 3 semaines. Donc je savais qu'il L'enfer. Était en sécurité. Oui, mais bon. Mais il y a cette angoisse. Surtout, on peut pas avancer sur votre texte. Ouais, n'est ouais. pas entre vos mains. C'était l'angoisse totale. Bon, en tout cas, tout s'est bien terminé. C'est l'heure de Valérie Zetoun. Chaque dimanche, Valérie vient nous rejoindre. Alors, Valérie, c'est le célèbre producteur de musique, le célèbre juré à la télévision. Mais ici, il vient faire une chronique et il nous parle de personnages iconiques. Et alors aujourd'hui, iconique s'il en est, on parlait d'humoriste sans limite tout à l'heure avec Alexandre Kominek. C'est un peu le cas de l'humoriste dont vous allez nous parler aujourd'hui. Bonjour Valérie. Bonjour Bruno, mes hommages, monsieur Dicker. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais parler d'un punk que j'adore. Avril 1988, la France du rire devient orpheline. Salut l'artiste, Pierre Desproges est mort hier soir, il avait 49 ans. Pierre Desproges a très certainement été l'artiste français le plus corrosif et libre de tous les temps. Sa plume était acide, se moquant de tout et de tout le monde, mais surtout de l'absurdité de notre société. Il a d'ailleurs inventé des expressions qui sont devenues des références, comme par exemple... Je pense effectivement qu'on peut rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. Ou encore... L'intelligence, c'est comme les parachutes, hein. Quand on n'en a pas, on s'écrase.
Après avoir raté son bac, il tente des études de kiné qu'il abandonne rapidement avant d'être envoyé faire la guerre en Algérie. À son retour, il enchaîne les petits boulots comme vendeur en assurance vie, qu'il rebaptise d'ailleurs assurance mort. Grâce à une amie d'enfance, il est engagé au fameux journal L'Aurore. Il y signe un billet qu'il appelle la rubrique des chats écrasés. Mais son rédacteur en chef, qu'il trouve trop caustique, veut le virer. Desproges est sauvé par Françoise Sagan, qui écrit à L'Aurore qu'elle n'achète le journal que pour sa chronique. En 1973, il écrit un article sur Jacques Mérine, le traitant de fanfaron suicidaire, ce qui ne plaît pas du tout à l'ennemi public numéro 1, qui le menacera pendant très longtemps. Desproges a une admiration sans borne pour Francis Blanche, Pierre Dac, mais aussi Georges Brassens, dont il admire l'œuvre bien sûr, mais aussi l'homme épris de liberté qui ne fait rien comme les autres. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Il aime aussi Jean-Yann et Jacques Martin, et ça tombe bien parce que c'est Martin qui va l'engager comme chroniqueur dans Le Petit Rapporteur, émission phare du dimanche sur TF1. Je frappe au numéro 1, je demande mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle ? Les délires de Prévost et de Desproges font le bonheur des spectateurs, mais ils sont régulièrement censurés par Jacques Martin, qui en coupe beaucoup en montage. Desproges ne peut le supporter et claque la porte du Petit Rapporteur. Mais sa notoriété télévisuelle va lui ouvrir d'autres portes sur TF1. En 1977, le président Valéry Giscard d'Estaing souhaite ses vœux aux Français au coin du feu devant une cheminée. Il n'en faut pas plus à Desproges, associé à la star Thierry Leluron, pour se moquer du président sur TF1, du jamais vu à l'époque. Les deux artistes sont assis autour d'un grand bidon dégueu où brûle un feu et ont appelé leur sketch « Entretien au coin du feu ». Économiquement parlant, la France arrive nettement avant le Groenland. Oui, ben c'est le principal, parce que du moment qu'on est avant le Groenland. Oui. Ils l'ont. Bon. Valérie Giscard, machin. Oui, appelez-moi Valérie. Mon cher Vali et tout ça. Je pense qu'on pourrait maintenant aborder le problème des municipales qui est quand même assez. Non, vu écoutez, qu'à demain... non, j'ai demandé qu'on ne parle pas des municipales à la télévision. Mais il n'y a pas que Giscard qui sera la tête de turc de Desproges. L'artiste tire fort sur tout ce qui bouge avec un talent inégalable et devient le roi du politiquement incorrect, comme on dit aujourd'hui, en chambrant notamment Marguerite Duras. Marguerite Duras qui n'a pas écrit que des conneries. Hein. Elle en a aussi filmé. Hein. Jean-Marie Le Pen. Il y a plus d'humanité dans l'œil d'un chien quand il remue la queue que dans la queue de Le Pen quand il remue son œil. Les Arabes. Les rues de Paris ne sont plus sûres. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'ose plus sortir tout seul le soir. Les Juifs. On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle. À propos de ce sketch, Desproges a dit que les antisémites n'osaient pas rire et que les Juifs se croyaient obligés de rire. Ce qui résume bien le personnage. Avant de rajouter, pour que les choses soient bien claires... De savoir que je suis né à cette époque-là et qu'il s'y est passé ce qui s'est passé vis-à-vis des Juifs, c'est un truc que j'ai toujours pas... compris au sens fort, c'est-à-dire de même que je ne comprends pas Dieu. Ouais. Dieu ou non Dieu, je n'arrive pas à comprendre. Par rapport à mes 47 ans, presque mon demi-siècle sur Terre, c'est la chose qui sur laquelle je reviens souvent, parce que je ne comprends pas ouais. que ça puisse arriver. Et en même temps, j'ai très peur que ça revienne. Je trouve ça fabuleusement inimaginable que des êtres humains puissent commettre ça. Desproges détestait aussi les Restos du Cœur. Non, je trouve, je pèse mes mots, je trouve qu'il y a une obscénité à montrer sa charité à tous les passants comme on monte son cul. Je veux dire qu'on peut très bien faire le bien autour de soi. Moi, je ne me mets pas en avant du tout dans ce domaine, justement, parce que je suis contre. Mais j'aime les pauvres et je ne les montre pas à tous les passants. Il n'aimait pas non plus le rock et particulièrement le groupe Indochine. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Indochine, mais en entendant le groupe Indochine, on regrette que ces gens-là ne fassent pas de la moto sans casque pour s'en passer dans des camions. Je regrette. Et pourtant, j'ai un bon fond, croyez-moi. Il a contribué au succès du désormais mythique Tribunal des flagrants délires diffusé sur une radio du service public. Là encore, il n'hésitait pas à se payer la tête d'artistes ou de politiques qu'il n'aimait pas. Au reste, et à regarder de plus près, quelle différence y a-t-il vraiment entre Pétain et Yves Montand ? À la réflexion, il y en a une.
Pétain, lui, au moins, il ferme sa gueule. Il donne pas son avis sur la Pologne quand on lui demande de chanter les feuilles mortes. Et puis il y a ces citations désormais célèbres comme « À part la droite, il n'a rien au monde que je méprise autant que la gauche », mais aussi « Plus je connais mon chien, moins j'aime les hommes, plus je connais les femmes, moins j'aime ma chienne ». Ou encore « La culture, c'est comme l'amour, il faut y aller à petits coups au début pour bien en jouir plus tard ». Dieu aussi en prend pour son grade lorsqu'il écrit « Au paradis, on est à la droite de Dieu, c'est normal, c'est la place du mort ». Rien n'était sacré pour cet artiste qui a su devenir très populaire sans faire aucune concession à qui que ce soit. La minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, diffusée tous les soirs sur France 3 à 20h, et son « c'est étonnant, non » résonnent encore dans nos mémoires. C'est étonnant, non ? En 1986, alors qu'il a un succès fou avec son spectacle, ses médecins lui annoncent qu'il a un cancer incurable. Même sa propre maladie n'échappe pas à son humour acide lorsqu'il déclare « Plus cancéreux que moi, tu meurs ». Pierre Desproges, le punk en costume, s'est éteint en avril 88, il y a 36 ans. J'entends souvent des gens dire d'un air entendu qu'ils ne pourraient plus faire carrière aujourd'hui. Et c'est bien ça qui m'inquiète. Que cet immense artiste n'ait pas eu d'héritier pour laisser la place à un humour bien sage, sans risque, à une soif de plaire au plus grand nombre, au risque d'écrire des vannes banales, oubliées aussitôt qu'elles ont été débitées. Desproges a marché dans les pas de Molière, de Voltaire, de Beaumarchais, tous ces prix de liberté artistique totale qui ont fait de notre pays une nation à part. En conclusion, mon cher Bruno, si un jour j'ai la chance de le croiser là-haut, je l'engueulerai quand même un peu de ne pas nous avoir protégés de cette sombre période de cubénie inculte. Bon dimanche. Merci, merci beaucoup, cher Valérie. Je vous voyais rire sur les phrases de Pierre Desproges. Exceptionnel. Ouais. Ouais, incroyable. Exceptionnel artiste. Et c'est un artiste exceptionnel que nous recevons aujourd'hui, car oui, Joël Dicker est un peu un artiste. C'est l'auteur le plus rock'n'roll. Vous avez, c'est vrai que vous avez un peu une réputation de rockstar, Joël. Mais vous avez conscience de ça. Alors, pas pour les aspérités de la rockstar. Je suis pas en train de dire que vous avez un camion de filles qui vous attend dehors avec des substances illicites. Mais c'est vrai que vous avez cette image d'auteur beau gosse qui cartonne. Un peu comme une rockstar, un petit physique à la Justin Timberlake, même niveau coupe de cheveux, Joël. Mais merci, ouais. C'est marrant, ça me rappelle une histoire très très drôle. J'étais il y a des années à un dîner et j'avais hyper chaud. Et il y avait une fille qui me regardait et j'avais hyper chaud, il faisait hyper chaud, c'était un soir d'été. Et j'étais moite et je suais et elle me regardait comme ça. Et je me disais, bah oui, je sais, je suis. Enfin, et je me plongeais le front. Et à la fin du dîner, elle vient vers moi, elle me regarde. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut me dire que je sais que je suis en âge. Elle me dit, je voulais te dire que tu ressembles beaucoup à Justin Timberlake. Et ben voilà. Là, oh merde, attends. Reviens. Merde. C'est Joël Dicker qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup, Valérie. Le bon dimanche chaud, c'est tous les dimanches à la radio. Steven Spielberg planche déjà sur la version ciné. Un animal sauvage, c'est le nouveau roman de Joël Dicker. Joël, vous vous positionnez comment par rapport aux critiques? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Je veux dire, quand votre bouquin sort, est-ce que vous allez sur les sites voir ce qu'en pensent les lecteurs, les lectrices ou pas du tout? Non, plus sur les sites. Je l'ai fait au début, évidemment, on attend les critiques parce que les critiques, c'est une chance extraordinaire. Les critiques, c'est la chance d'avoir des gens qui vous font un retour sur votre travail. Mmh. Alors, je ne le fais pas sur les sites parce que j'ai la chance d'avoir des lecteurs en librairie qui viennent me voir et d'aller le plus possible les voir, moi, dans les librairies. Et j'ai ce retour directement par eux. Et c'est fascinant et c'est génial. Et je prends vraiment comme une grande chance parce que, justement, de pouvoir partager ce travail. J'ai écrit beaucoup de livres qui n'ont été lus par personne. Mmh. Et j'ai attendu ces lecteurs. Donc de les voir et de pouvoir parler avec eux et de savoir ce qui leur a plu, ce qui leur a moins plu. Et quand ils me parlent aussi de leur expérience, de ce qui les a marqués, je me rends compte aussi que c'est pas ce que je voulais faire ou qu'ils ont interprété différemment. Mmh. Et ça me permet de retravailler ça, de me dire mais qu'est-ce que je pourrais faire pour le prochain? Comment je pourrais reprendre ça? Comment est-ce que je peux améliorer ce que je fais? Parce que écrire, c'est particulier, il n'y a pas une école, il n'y a pas un cours universitaire, il n'y a pas un cours où vous faites des cours pendant un an, deux ans, trois ans. On vous dit, vous êtes écrivain, on vous donne tous les outils
alors que n'importe quelle autre profession du monde, même chez les artistes, vous voulez être pianiste, vous pouvez faire le conservatoire de musique, peintre, vous pouvez faire les beaux-arts, ça ne veut pas dire que vous serez doué ou vous êtes doué, mais on va vous donner des techniques, on va vous apprendre le savoir-faire. Et pour l'écriture, il n'y a rien d'autre que cet empirisme, votre texte, votre travail, lu par d'autres qui vous disent ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, et qui vous permet de faire cette analyse, vous, et c'est une grande chance. Alors, vous disiez, je ne vais pas voir les critiques qui sont laissées sur les sites internet, et vous avez raison, puisqu'on l'a fait pour vous, et dans quelques instants, nous ferons avec vous les critiques du web. Mais avant cela, sachez, cher Joël, que vous êtes le premier Suisse que je reçois ici, à mon bureau, et je sais que c'est un pays que vous mettez à l'honneur dans vos livres, et notamment dans le dernier, Un animal sauvage, donc je vous propose qu'on fasse un petit comparatif, si vous le voulez bien. Allez, avec plaisir. À vous de me dire si c'est mieux en Suisse ou en France. Joël Dicker, la nourriture. En France. C'est quoi votre plat préféré? Un bon steak frites, mais avec la sauce, quelque chose de bien gras. Ah, très bien. Ouais. Les paysages, c'est mieux en Suisse ou en France? Ah, en Suisse. En Suisse, tout est beau. Hein. Mmh. Il passait ses vacances, c'est mieux en Suisse ou en France? En Suisse. Il passait sa vie? En Suisse. Mmh. Et la musique, je veux dire, vous avez quoi depuis Stéphane Echer, les Suisses? On a Bastian Becker, on a Sophie Hunger, on a de la musique en italien, en allemand et en français, et en romanche. Mais vous avez des très grands artistes en France, dont Jennifer. C'est vrai, bien. Les autres écrivains, ils sont mieux en Suisse ou en France? Ils sont bien partout, je ne veux pas d'emmerde, Bruno Guillon. Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. L'administration, c'est mieux en Suisse ou en France? C'est mieux en Suisse. Mmh. Ah, en Suisse, ça fonctionne bien. Non, mais la Suisse a ce côté très germanique, des choses très organisées, c'est très cadré et ça fonctionne très bien. Le drapeau. En vrai, vous n'en avez pas marre qu'on vous confonde constamment avec le drapeau de la Croix-Rouge? Oui, ça c'est triste. Et puis surtout, on a un drapeau étrange parce que le drapeau suisse est carré. C'est pas un rectangle, ouais. C'est un carré. Et alors, j'aime le drapeau suisse, c'est le côté patriote évidemment, mais le drapeau français, il a de la gueule quand même. Dernière question, on fait le comparatif entre la Suisse et la France. Les interviews. Attention Joël à votre réponse. Je tremble sur ma chaise. Les interviews, vous savez quoi? Elles sont très 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 différentes. Parce qu'il y a quelque chose en Suisse que je ne m'explique pas, ou peut-être qui est dû à ma nationalité. Il y a une forme de proximité où on me parle souvent beaucoup de moi, mais moi par rapport à la Suisse, et peu de mes livres et peu de mon travail. Et c'est presque frustrant. Mmh. Et alors qu'en France, c'est un accueil qui est différent. Et on rappelle que je suis suisse et vous le faites ici, mais je ne suis pas catégorisé, je ne suis pas jugé par rapport à la Suisse. Il y a une forme de liberté en plus que j'ai en France. C'est le citoyen du monde, Joël Dicker, que nous recevons aujourd'hui sur RTL. Il fait son bon dimanche chaud et dans quelques instants, les critiques du web. A tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Le bon dimanche chaud, c'est l'émission préférée de Céline Dion. Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute le bon dimanche chaud. Exactement ce que je disais. Bruno Guillon, jusqu'à 15h30 sur RTL. Un animal sauvage, c'est le nouveau roman de Joël Dicker qui est sorti à la fin du mois de février dernier. Il a été numéro 1 dès sa sortie en France, en Italie, en Espagne. Je salive d'avance puisque je sais que cet été, sur la plage, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, on jettera un coup d'œil à gauche, on jettera un coup d'œil à droite et on va s'apercevoir qu'on est tous en train de lire le même bouquin. Merci. Cher Joël, je parlais des critiques du web. Alors, oui. J'ai fait un truc dans les critiques du web que je ne fais jamais. Je le fais pour tous les invités du Bon Dimanche Show. En général, on prend une ancienne œuvre de l'artiste, qui un album de chansons quand je reçois un chanteur, qui un DVD quand je reçois soit un réalisateur, soit un acteur. Aujourd'hui, j'ai pris les critiques d'un animal sauvage. Allez. Ouais. Parce qu'en même temps, je me dis, le succès est déjà, il cartonne. À un moment, je me suis dit, même pourquoi faire la promo? Est-ce que si Joël arrive, on n'irait pas se balader tous les deux sur le bord de la Seine, boire une bière, raconter notre vie respective? Puis je me suis dit, non, on va vraiment... C'est vrai qu'il y a une attirance, mais qu'est-ce qui m'arrive? Que faites-vous dans ma chambre? Non, je me dis, vu qu'il connaît déjà un succès énorme, il y a déjà beaucoup de critiques, notamment sur le site marchand Amazon, je vais aller faire un tour. Allez. Les critiques du web, c'est simple. On prend des bonnes et des mauvaises, vraiment, mais on prend des critiques qui nous font marrer. Soit parce qu'elles tombent à côté, soit parce qu'elles nous font marrer. Et plutôt que de vous les lire telles quelles, ce qui serait assez simple, je vais vous les faire écouter dans une autre langue. Oh, j'adore. Et à l'oreille, vous me dites « Ah, c'est bien, ah, c'est pas bien ». Et après, on découvre de quoi ça parle. J'adore. La première critique, on l'a traduite en chinois. Écoutez. Netflix 版权改编成八集再给我意见.
Bonne ou mauvaise critique ? Elle a dit, parce que je parle bien chinois, elle dit ce livre est absolument extraordinaire, vous devez tous le lire. Non, c'est Papa Cultivore qui vous a mis 2 sur 5. Ah et non, alors, il a écrit comme ça. Critique, j'ai la flemme de lire. Donc, je vais attendre que Netflix achète les droits et fasse une adaptation en 8 épisodes pour me faire un avis. Justement, vous luttez un peu contre ça. Vous, le fait de faire la démarche de lire, c'est aussi quelque chose d'important. Vous le disiez en prémisse tout à l'heure, qu'on livre ne serait-ce qu'un livre sur l'année, qu'on puisse déclencher cette envie de lire, ne serait-ce que ce livre-là, c'est important. Il faut lire. Et vous savez, c'est un truc que je répète, mais je vais le répéter encore ici, encore et encore. Tout le monde aime lire, mais tout le monde ne le sait pas encore. C'est ça. Et la lecture, elle n'est pas là pour vous emmerder tous les mardis à lire pendant 3 heures. Elle est là pour occuper les moments de libre, les moments d'ennui qu'on a tous les jours dans le métro, dans le bus, en attendant quelqu'un qui ne vient pas, à un rendez-vous. On a tous les jours 5 minutes ici, 10 minutes là. Et commençons par 1, avoir un livre avec soi dans son sac. Il faut évidemment avoir un livre pour lire. Et des livres, il y en a partout. Si vous ne voulez pas acheter un livre ou si vous n'avez pas beaucoup de sous en ce moment, on va vous en prêter. Il y a des bibliothèques. Même maintenant, dans les petits villages, il y a des bibliothèques où on peut mettre les livres qu'on a déjà lus. Il y a des boîtes à livres. On peut trouver des livres. Donc, ayez un livre avec vous et commencez par 5 minutes par jour. Et vous verrez, si vous vous dites, allez, pendant 10 jours, pendant 15 jours, je lis 5 minutes par jour, je m'engage à ça, je vous garantis qu'au bout de 10 jours, vous êtes lecteur. Parce que vous dites, mais en fait, c'est génial. En fait, mon trajet en bus, j'aimerais qu'il dure plus longtemps parce que vous êtes pris par ça. Et donc, il faut lire. Et donc, Papa Cultivore, je ne vous félicite pas. Enlevez-moi ces 2 étoiles tout de suite. La deuxième critique, on l'a traduite en islandais. Écoutez. Ég elskaði þessa bók. Alla vega elska ég Joel Dicker almennt. Bonne ou mauvaise critique ? Elle est très mauvaise, elle dit « je n'ai rien compris, il manque des pages ». Non. Alors, elle est très bonne, mais elle tombe à côté. Aïe. Et c'est pour ça qu'elle nous a fait rire. Mélanie Stoche vous a mis 5 sur 5 et elle a dit « j'ai adoré ce livre ». De toute façon, j'adore Joël Dicker en général, notamment « Le voleur d'ombre » et « La fille du papier ». Qui sont respectivement, je le dis, des livres de Marc Lévy et de Guillaume Musso, donc rien à voir. La critique numéro 4, on l'a traduite en tchèque. Tento román jsem zhltla, můj pes taky, trochu doslovaji, takže jsem ho musel koupit zpět, abych ho mohl dodělat. Bonne ou mauvaise critique ? Mitigée. Elle aime le début, un peu le milieu et moins la fin. Elle adore. Ah. Amélie vous a mis 5 sur 5. Bah, et elle a dit, j'ai dévoré ce roman, mon chien aussi. Un peu plus littéralement d'ailleurs, du coup j'ai dû le racheter pour pouvoir le finir. Et enfin la dernière, c'est ma préférée parce que je me retrouve un peu dans cette critique. On l'a traduite en serbe. Skoro sam ga završio, odlično i super dobro napisano. Ali zaista vidimo da se kraj pre... Edit. Pa ne, to nije bio kraj. Bonne ou mauvaise critique ? J'ai envie de dire bonne, malgré ma méconnaissance du serbe, mais du coup je m'inquiète un peu parce que comme c'est le contre-pied, si c'est bon, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une bonne critique. Ah, voilà. C'est une bonne critique et je vous dis, je me reconnais un peu dedans, mais je le disais tout à l'heure en préambule, vous allez comprendre. Bob du Grand 8 vous a mis 5 sur 5. Alors il écrit, je l'ai quasiment fini, c'est génial, c'est super bien écrit, mais on voit vraiment trop venir la fin. Et il réécrit après, il a fait un autre post en mettant « Ah, ben non, c'était pas ça à la fin. » Et c'est exactement ce que j'ai eu moi. Je me disais « Ah ok, cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Je vais l'avoir la fin avant la fin. » Et non, pas du tout. On se fait cueillir et c'est pour ça que ce roman est génial. C'est un animal sauvage. Il est écrit par Joël Dicker qui nous fait la joie d'être l'invité du Bon Dimanche Show sur RTL. Restez là, on se retrouve dans quelques instants. J'avais une super blague pour ce jingle. Bon, on me fait signe qu'on est déjà à la bourre, alors je me dépêche. Hein, hop, hop, Bruno Guillon sur RTL. Allez, allez! Joël Dicker fait son Bon Dimanche Show sur RTL pendant encore une demi-heure. Tout va bien, Joël ? Magnifiquement bien, merci. Vous passez un bon moment ? Très, très bon moment. J'en suis ravi. Tiens, on a attaqué l'émission tout à l'heure avec Jennifer, la chanteuse, qui disait tout le bien qu'elle pensait de vous. Et j'ai vu que ça vous avait un peu touché. Mais surtout, elle vous mettait une forme de pression, puisque elle disait, quand on lit un bouquin de Joël Dicker, à la dernière page, on a déjà envie de se poser sur l'autre. Petite question, le livre est sorti le 27 février dernier. Est-ce que dans l'esprit de Joël Dicker, il y a déjà le numéro 8, et une idée, un bourgeon d'idées, quelque chose ? Oui. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si c'est l'idée du livre ou l'idée qui amènera à l'idée, etc. Enfin, vous voyez, c'est jamais très clair. Mais surtout que ce livre, j'ai terminé de l'écrire l'été passé. Ouais. Et donc, je suis déjà sur quelque chose d'autre.
mais dont je ne sais pas encore exactement si ça me mènera vers un roman ou vers la piste d'un prochain roman. Bon, eh bien écoutez, c'est pas tout simple. Pour l'instant, on continue de parler d'un animal sauvage. C'est le nouveau roman de Joël Dicker et on va le faire après les infos. Merci d'écouter RTL, il est 15h. RTL, 14h, 15h30, le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon. C'est Joël Dicker qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On parle d'un animal sauvage, déjà un succès de vente, un best-seller comme on dit. Il est sorti à la fin du mois de février dernier. Joël, alors on le disait tout à l'heure, l'histoire d'un animal sauvage se passe principalement à Genève, la ville dont vous êtes originaire. C'est plus facile d'écrire quand géographiquement on situe l'intrigue dans un endroit dans lequel on vit plutôt qu'à New York ou plus généralement aux États-Unis comme certains autres romans ? Non, c'est plus difficile. En tout cas pour moi, ça a été très difficile de ramener mes livres à Genève. Je dis mais parce que j'avais un précédent roman, L'énigme de la chambre 122, qui se passait déjà en Suisse. Donc c'est le deuxième livre qui se passe en Suisse, à Genève chez moi. Et c'est un exercice très difficile parce que j'avais le sentiment, quand j'ai commencé à écrire mes livres aux États-Unis, enfin à inscrire l'histoire aux États-Unis, j'avais le sentiment que d'être moi à Genève, à mon bureau, et d'écrire une histoire qui se passe à 6000 km de là, ça me donnait une liberté supplémentaire. Et que pour faire de la fiction, j'étais bien aux États-Unis, parce que c'est un pays que je connais très bien. J'y suis allé souvent, j'y vais souvent, donc c'est un endroit dont j'ai l'impression que je peux le raconter avec beaucoup de crédibilité, mais dans lequel ensuite, comme je suis très distant, je suis complètement libre d'inventer une rue à New York. Ça ne me pose aucun problème. Je connais New York, je me dis ben, je mets une rue ici, ça me va très bien, aucun problème. Par contre, inventer une rue à Genève où je vis, c'est impossible. Ça a été très très difficile parce que je me dis mais je ne peux pas, je connais cette ville. Je vais passer par le quartier là tout à l'heure pour rentrer chez moi. Je vois bien que c'est pas possible de mettre une rue ici. Je vois bien que c'est pas que ça marche pas. Et c'est pour ça je vous disais avant que la fiction elle doit se méfier de la réalité parce que la réalité elle vous limite. Et ça a été très difficile de finalement arriver à me libérer de tout ça et me dire ben je garde de Genève que ce que je connais, que cette atmosphère dont j'ai envie de parler. Mais je me détache complètement de ma réalité. Alors justement, si on sort des rues et de ce que vous connaissez et de ce dont vous avez envie de parler, je sais qu'il y a un peu de vous dans ce dernier roman, un animal sauvage, et notamment un hommage que vous rendez à votre grand-mère et à son bureau dans lequel vous avez écrit vos premiers ouvrages. Est-ce que c'est le bureau décrit de Sophie à l'intérieur du bouquin ? C'est celui-ci ? Non, c'est cet endroit-là ou pas ? Sophie, c'est l'avenue Bertrand, c'est l'appartement que Sophie et Arpad achète à un moment donné. Ouais, qui sont les deux héros hein, du bouquin. Et on vous en dit pas plus, voilà. Mais donc ils achètent à un moment donné un appartement dans le quartier de Champel à Genève, à l'avenue Bertrand. Et ma grand-mère a habité toute sa vie en Suisse à l'avenue Bertrand, au numéro 13. Et j'ai moi-même eu un bureau pendant longtemps chez elle. Elle était à la fin de sa vie veuve, ses enfants étaient évidemment grands. Elle était restée dans cet appartement de famille dans lequel elle avait vécu pendant 40 ans. Et elle me dit un jour, viens écrire chez moi, je te vois avec tes affaires, tu vas au café, tu vas ici. Prends un bureau, tu prends une pièce et tu te mets là. Et ça a été le début d'une forme de colocation avec elle. Parce que je passais 15 heures par jour, j'arrivais le matin à 6h30, je repartais le soir à 10h. Et on était tout le temps ensemble. Et ça a été génial. Et elle est décédée en 2014, elle a rendu on a dû rendre évidemment son appartement. Et donc je n'ai plus ce bureau là, mais à chaque fois que je passe cette rue et j'y vais souvent, j'ai ce souvenir, le souvenir d'elle évidemment, et je lui rends hommage en mentionnant cette rue comme ça. Alors bon, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble maintenant, cher Joël. Vous me disiez que vous passiez un bon moment. J'ai un style de questionnement, d'interview qui m'est peut-être propre. Et c'est vrai que je ne suis pas forcément le plus grand spécialiste pour les interviews littéraires. En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'à la différence de certains de mes camarades, j'ai lu votre livre. mais il y a quelqu'un qui, en France, est un petit peu le nec plus ultra de la crème de l'élite, de la cerise sur le gâteau des interviews littéraires, c'est Bernard Pivot. Oui. Et alors Bernard Pivot, il avait un style d'interview sur lequel je me suis basé, c'est-à-dire qu'il faisait des interviews exclusivement basées sur le livre, en prenant des phrases hors contexte et en posant des questions qui vont avec. On fait ça ? Allez, c'est parti. Allez, on fait ça. Page 360, j'aime bien la petite musique qui va derrière. Page 360, vous écrivez, il se rendit dans la salle de briefing
aujourd'hui c'est le jour de l'affrontement. Vous vous êtes dans quel état le jour de la sortie d'un bouquin? C'est un combat, c'est une libération, c'est quoi pour vous? Je mets mes lunettes. C'est un trac, c'est le trac de l'artiste. Donc c'est pas une angoisse, c'est une appréhension, mais qui est une bonne appréhension. C'est de se dire, voilà, est-ce que ça va le faire? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce qu'ils vont comprendre avant la fin? Voilà, tout ça est là. Page 282. Vous écrivez, il s'était donné beaucoup de peine pour écrire ces lignes. Mais est-ce que, Joël, vous êtes aussi bon pour écrire un SMS ou une carte postale que pour écrire un roman? Non. Les SMS c'est terrible parce que je reprends, je change, c'est censé être un message court mais je commence par mettre les formes, c'est toujours trop long, ouais. C'est pas efficace, donc je suis pas le roi du SMS. Page 376, vous écrivez Joël Dicker, il devait disparaître pour lui rendre sa liberté, s'il l'aimait vraiment, il devait renoncer à elle. Jusqu'où vous pourriez aller par amour, cher Joël? Loin, mais est-ce que je serais prêt à renoncer à quelqu'un par amour pour cette personne? Non, je crois pas. Je m'accrocherais, vous voyez. Ouais, je vois bien. Page 55, vous écrivez, il y avait à proximité un vélo complètement rouillé et des emballages en plastique par-ci, par-là. Même ici, les forêts étaient des poubelles. Vous êtes écolo dans l'âme, Joël, ou pas? Oui, bah, écolo, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est un grand mot, dans le sens où on peut tout mettre dedans. Est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut trier? Est-ce qu'il faut débrancher? Vous savez, ne serait-ce que de débrancher les chargeurs de portables qu'on a tous chez nous et qui ne chargent rien et qui consomment de l'énergie. Enlever les chargeurs quand ils ne chargent pas, c'est déjà être écolo. Tous ces gestes-là, il faut les faire. Page 81, Joël Dicker, vous écrivez Greg marchant dans la nuit avec son chien, put laisser s'épanouir l'immense sourire qu'il avait retenu quelques instants plus tôt. Il avait obtenu son invitation. C'est quoi le truc que les gens ne savent pas forcément, mais dont vous êtes ultra fier, Joël? Peut-être un talent particulier? Un talent particulier, pas beaucoup de talent. Mais ça... Bon, déjà, vous êtes un excellent auteur, c'est bien. Genre en cuisine, genre en sport, genre... Non, j'ai une passion, c'est l'aviation. C'est vrai? Je pense à ça, c'est l'aviation. Et j'ai réussi il y a quelques années à pouvoir voler dans des avions de ligne d'une compagnie suisse, il n'y en a qu'une, dans le cockpit. Et pendant toutes mes tournées, je pouvais faire le cockpit et ça a été des moments absolument incroyables. Et j'ai beaucoup appris de ça. Et j'ai continué après, je me suis informé, j'ai lu des bouquins sur ça. Enfin, ça a été vraiment j'ai ce côté un peu geek sur les avions et qui rendait ma femme un peu folle à la fin parce qu'on arrivait à bord, etc. Et elle venait et dit ah, Monsieur Dicker, vous voulez venir voir? Non, mais je vais toute seule. C'est Joël Dicker qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants. Et alors, j'ai fait une interview parce que, on le disait tout à l'heure, et je l'ai dit en attaquant l'émission, je vous l'ai redit il y a quelques instants, c'est que quand on lit un animal sauvage, on sait qu'on va se faire mener en bateau par votre talent d'écrivain, et on se dit, je vais quand même trouver la chute avant qu'elle ait lieu. Et non. Et une nouvelle fois, je me suis fait avoir. Et bien, vous allez vous faire avoir aussi, également, cher Joël, puisque dans quelques instants, vous allez répondre à des questions dont on ne s'attend pas à la chute. A tout de suite. Pour trouver l'émission de radio parfaite, on a fait appel à 37 experts venus du monde entier. Ils ont travaillé pendant 11 mois pour atteindre la quintessence de l'excellence. Ensuite, bah, on a tout jeté à la poubelle. Et on a mis le bon dimanche chaud à la place. Bruno Guillon sur RTL. Joël Dicker fait son bon dimanche chaud sur RTL. Un animal sauvage, voilà, c'est le carton littéraire du moment. Joël, j'ai lu que vous n'étiez pas fan de sang dans vos livres. Et c'est vrai que là, il n'y a pas d'effusion de sang. Il y a du suspense, certes, mais il y a rarement de sang dans vos bouquins. Oui, je déteste quand je lis un livre ou que je vois un film ou une série télé, je n'aime pas avoir des images insupportables. On en a déjà assez dans la vie, aux téléjournaux, etc. Je veux avoir un livre dans lequel, même s'il y a quelque chose de grave, même si quelqu'un est mort, même s'il y a des choses parfois dans mes livres un peu dures, je n'ai pas le descriptif dont j'ai pas envie de savoir qu'il est mort avec je sais pas quoi, les entrailles qui sortent ou qu'on lui a fait je sais pas quoi, j'ai pas envie. Oui, les autopsies qui des fois sont très très décrites. Mais c'est pas décrites. Tant ça que surtout vraiment les cadavres, les morts violentes, des choses un peu atroces, tout ce qui est un peu insupportable, j'ai pas envie. Et donc dans mes livres, quelqu'un est mort, un point c'est tout.
Il est mort, il y a peut-être une flaque de sang au maximum, juste pour dire qu'il y avait un peu de sang par là, mais c'est tout. On le disait tout à l'heure, vous avez écrit très très jeune, vous êtes le fils d'une libraire et d'un prof de français. Mm-hmm. Ça aide un peu quand même quand on veut se lancer dans l'écriture. À la limite, on a l'impression d'être un peu pistonné quand même. Ça aide un peu, mais ce qui a beaucoup aidé, c'est que mes parents ont toujours été très détendus avec ça. Ils me disaient, bah, tiens, essaie de lire ça, tiens, voilà, ce livre-là est pas mal. Ou quand moi, je voyais un livre qui me plaisait ou que j'avais envie de lire, ma mère me disait, bah, essaye, c'est pas vraiment de ton âge ou c'est difficile pour toi, mais essaye. Il y avait vraiment cette liberté. Et c'est pour ça que je dis que tout le monde aime lire et qu'il faut juste trouver le bon livre. Il faut essayer. Il faut commencer un livre. Puis si on n'aime pas, on le pose. Il y a tellement de livres. Il faut un peu, je trouve, désacraliser le livre et en faire avant tout un objet de plaisir et le prendre comme ça. Et ça ouvre tout de suite une porte et une approche très différente. Mais est-ce que vous aviez un modèle ? On va interviewer une rockstar, elle va dire, voilà, j'ai été biberonné quand j'étais petit avec les chansons de Bob Dylan et ça m'a donné envie de faire de la folk. Est-ce que vous, c'est la lecture d'Agatha Christie ou de grands maîtres du polar qui vous ont donné envie de vous orienter vers ce style de roman ? Pas tellement polar. J'ai aimé d'abord, en tout cas, je pense que pour moi, les premiers auteurs que j'ai lus ou qu'on m'a lus, c'est des auteurs pour enfants. Ouais. Et on rate souvent, c'est une étape qui est très importante. Hein. C'est-à-dire que le moment où on a envie de lire, on a envie d'écrire, on a envie de créer, etc., ça vient souvent plutôt jeune, plutôt tôt. Et moi, je me souviens des livres qu'on m'a lus, de Roald Dahl ou de Dickens Smith, qui sont des histoires géniales. Et je pense que je viens plutôt d'un plaisir de l'oralité, pardon pour le jeu de mots, mais je viens de cette idée, le plaisir qu'on vous raconte quelque chose. Et je trouve que, je crois que mes livres tiennent encore beaucoup à ça. C'est pas tellement la question de savoir si c'est des polars ou pas. Mmh. C'est vraiment la question de se dire, c'est un livre qui raconte quelque chose et c'est un livre pour rassembler des gens ensemble de la même façon quand on raconte une histoire dans une pièce, tout d'un coup tout le monde se tait et on écoute celui qui parle. Le plaisir de ce partage-là. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué toujours de parler d'un livre comme le vôtre quand il y a autant de suspense, de rebondissements. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de parler de façon codée. Moi, j'ai changé les noms des personnages par des noms de légumes et des actions par d'autres actions. Par exemple, Joël, quand on apprend que c'est finalement Carotte qui a changé la roue de vélo, personne s'y attend. C'est jubilatoire, je pense, pour un auteur. Mais évidemment, évidemment. Bon, je le disais, moi, ce qui m'épate à chaque fois que vous avez ce talent-là, c'est qu'on ne s'attend pas à la chute. Et donc, justement, je me suis dit, bah tiens, hey, pourquoi on ne pourrait pas faire ça en interview ? C'est-à-dire, je pose des questions, mais alors on ne s'attend pas du tout à la fin. Eh ben, on va le faire. Allez. Joël, dans le livre, on parle de braquage de bijouterie inspiré d'un fait réel en Suisse, au départ, votre pays natal. Mais du coup, comment vous choisissez les dessins d'illustration de vos couvertures de livres ? Les couvertures, c'est compliqué parce que vous devez trouver une image qui raconte quelque chose du livre, qui donne envie de lire, qui soit attirante aussi, qui racontera quelque chose du livre une fois qu'il est lu. Et donc, c'est un long processus. Ce livre-là, c'est un artiste espagnol, David de las Heras, qui l'a fait dessiner, peinte pour moi. Et je lui ai expliqué en quelques lignes de quoi parlait ce livre. Il ne l'avait pas lu. Et il a dessiné ce tableau. Vous avez pratiqué, cher Joël Dicker, la boxe. Et je sais également que vous aimez beaucoup les arts martiaux. Mais pourquoi vous avez choisi le métier de banquier pour le personnage d'Arpad dans le livre ? C'est très déstabilisant. Hein ? Je sais. Vous voyez, mais on est déstabilisé quand on lit vos livres, Joël. Parce que ça, c'est une image immédiate. On a tout de suite une image en tête. Quand on dit « il est banquier », on est dans le cliché. Et il a tous les clichés, tous les outils du cliché qui vont avec. Quand on le rencontre et quand on rencontre Arpad dans les premières pages, il a tout du banquier cliché et pourtant. Vous militez, et on le disait fermement, pour que les gens lisent plus et lisent plus souvent. Pourquoi vous avez arrêté de jouer de la batterie ? Parce que je souffrais d'avoir besoin d'un groupe pour jouer. Parce que quand vous jouez de la batterie, vous êtes évidemment boom tchak tout seul, vous avez besoin du guitariste, du chanteur, enfin de tout un groupe autour de vous. Et j'avais envie de faire quelque chose dans lequel je puisse avancer seul. Et l'écriture, j'écrivais déjà beaucoup. Je me suis dit, là au moins, je pourrais faire ce que je veux, comme je veux, et je ne dépendrai pas d'autres gens. Et c'est pour ça que j'ai arrêté la batterie. Dernière question de cette interview dont on ne s'attend pas à la chute, cher Joël Dicker. Un animal sauvage, c'est votre 7e roman qui raconte l'histoire de deux couples issus de milieux sociaux différents. Alors du coup, je me pose forcément la question,
Vous avez pris des cours au cours Florent. Pourquoi vous n'avez pas continué pour être acteur? Parce que j'étais très mauvais. Non, mais c'était une expérience absolument géniale. Parce que, vous savez, je suis parti au cours Florent, je suis venu à Paris, j'avais 20 ans. Je venais de finir le bac parce qu'en Suisse, ça dure un peu plus longtemps. Et on a l'impression qu'à 20 ans, on a notre bac en poche et on doit savoir ce qu'on va faire. Et nos parents, la société attendent de nous qu'on ait déjà un choix très précis. Je veux faire ci, je veux faire ça. En fait, à 20 ans, on n'en sait rien. On pige que dalle. On est angoissé. On ne sait pas quoi faire de notre vie. Ça ne va pas. Et donc, il faut prendre le temps. Et les cours Florent m'ont donné justement... C'est grâce aux cours Florent parce que... J'aimais un peu jouer, mais je me suis dit, est-ce que j'aime vraiment ça? Je suis parti au cours Florent, j'ai rencontré des gens, j'ai vu des acteurs qui avaient envie de se consacrer à ça jour et nuit, qui avaient cette passion, qui étaient dévorés par le feu sacré, ce qui n'était pas mon cas du tout. Et ça m'a poussé à faire autre chose. Et donc, je dois au cours Florent d'avoir justement permis de m'aiguiller un peu. Mais vous avez été même à une époque de votre vie attaché parlementaire, vous auriez pu basculer dans la politique ou pas? Non, c'était un boulot génial parce qu'en Suisse, la politique est milicienne. Ça veut dire que les parlementaires... sont des bénévoles, c'est pas leur métier. Donc ils ont un métier le jour et ils sont parlementaires le matin très tôt ou le soir. Et donc j'avais un travail qui me permettait d'écrire la journée et le soir, je travaillais comme assistant parlementaire à Genève. C'est Joël Dicker qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On est allé se pencher sur vos réseaux sociaux. Cher Joël, vous êtes actif un peu sur Insta, sur TikTok un peu. Absolument. Et bien justement, on est allé voir qui vous suivez. Et on va en parler dans quelques instants sur RTL. A tout de suite. Aujourd'hui, le Bon Dimanche Show reçoit le meilleur invité qu'il n'ait jamais eu. C'est complètement faux. On repassera ce jingle la semaine prochaine. Bruno Guillon sur RTL jusqu'à 15h30. Ça fait plaisir quand même. Même si j'avoue que passer un moment avec Joël Dicker, c'est un vrai plaisir. Merci. Joël, je suis allé voir en préparant cette émission vos réseaux sociaux. Petit point rapide, 160 000 followers, c'est pas mal sur votre compte Insta. Ouais, sur l'émission, on en a 181, donc évidemment on a un peu de retard. Mais bon, on n'est pas là pour jouer à celui qui a la plus grosse commu. Vous suivez l'auteur Antoine Dole, c'est le papa de Mortel Adèle, qui est l'héroïne BD de milliers d'enfants. Ouais. Vous avez déjà songé à écrire pour les enfants? J'aimerais bien, j'adorerais ça. C'est très difficile, en fait c'est beaucoup plus facile, je trouve, c'est beaucoup plus facile d'écrire pour les adultes que pour les enfants, parce que les enfants sont un peu plus très exigeants, à qui on ne peut pas tromper sur la marchandise, qui a des attentes très claires, et ça rigole pas. Donc j'espère qu'un jour je pourrai le faire, mais il faut vraiment que ça soit... c'est un vrai défi pour moi. Vous suivez sur vos réseaux, Joël Dicker, Augustin Trapenard. Est-ce que quand on est auteur, c'est une obligation de suivre Augustin Trapenard, sinon toutes les bibliothécaires de France vous pourchassent avec des fourches? Non, mais il fait des choses très importantes. J'aime beaucoup. Il fait des choses très importantes, entre autres sur les réseaux sociaux, entre autres de son émission. Et c'est un homme du livre depuis toujours. Mais je trouve que tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux pour parler de livres et parler de littérature, c'est très important et je le salue pour ça. Joël Dicker, vous suivez les magasins relais qu'on trouve souvent en gare ou dans les aéroports. Quand vous achetez pas de bouquins, vous achetez quoi au relais? Parce que moi, j'adore le petit sandwich triangle fromage jambon. Non, j'achète les journaux surtout. C'est vrai? Ouais. Vous êtes un gros consommateur d'actu ou pas? Beaucoup, ouais. Beaucoup. Et je pense que c'est aussi un acte citoyen très important d'acheter le journal. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner au-delà. Là, on parle de Instagram, il y a plein de choses super, mais ce n'est pas une source de renseignement fiable. On ne peut pas se renseigner sur la marche du monde, sur Instagram ou Facebook ou TikTok. On doit acheter des journaux indépendants et libres, qui sont aussi les garants du monde démocratique dans lequel on vit, d'avoir des journaux et des opinions qui ne sont pas les opinions du gouvernement, c'est important, mais pour que ça existe, ça a un prix. Ce prix, c'est de l'acheter. Et donc, quand on peut, il faut le faire et j'achète beaucoup de presse. Joël Dicker, vous suivez sur vos réseaux Renaud Capuçon. C'est quoi votre style de musique de prédilection? J'aime beaucoup Renaud. J'aime beaucoup ce qu'il fait. On parlait tout à l'heure de Justin Timberlake, ouais, avec cette fille qui vous avait confondu avec le chanteur américain. Il écoute quoi quand il rentre dans sa voiture, Joël Dicker, quand moi, il arrive chez lui? Ouais. J'écoute de tout. J'écoutais beaucoup de jazz. J'écoute de la musique classique. J'écoute de l'opéra. J'écoute aussi des choses très modernes. J'écoute du rock. J'écoute du hard rock. J'écoute du metal.
J'écoute Jennifer aussi. Non, ouais, ouais. J'ai vraiment une gamme, une palette hyper large. Vous suivez la page Nespresso sur vos réseaux sociaux. Vous tournez à combien de cafés par jour, Joël? De moins en moins. Parce qu'on se le voit à 3h du matin, des fois, il faut essayer de tenir. Ouais, mais 5-6 à peu près. Et enfin, j'ai vu que vous suiviez Taylor Swift. Ouais. Vous êtes une Swiftie? Je suis une Swiftie, absolument. Je revendique, voilà. C'est dit. Depuis toujours, ouais. Aussi. Ça fait des années, ça fait 10 ans, 12 ans. Et j'ai toujours aimé ce qu'elle faisait. Vous savez quoi ? J'ai créé la mode. Taylor Swift, on lui rajoute une dizaine d'années. Et je trouve, mais c'est ma vision à moi, elle rentrerait bien dans le rôle de Sophie, qui est une des héroïnes d'un animal sauvage. Vous avez raison. Je trouve, en tout cas. On engage. C'est Joël Dicker qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Mais hélas, au grand hélas, comme dans toutes les belles histoires, il y a une fin. Et non. Cette fin, si, non. Nous allons la vivre je dans quelques secondes avec l'interview des 20 dernières secondes. À tout je de suite. Je refuse de répondre à cette interview. La comète de Halley passe dans le ciel une fois tous les 76 ans. Le bon dimanche chaud sur RTL, c'est tous les dimanches après-midi. Choisissez votre camp. Pour ma part, j'ai déjà sorti mon télescope. Jusqu'à 15h30, le bon dimanche chaud sur RTL. Sorti depuis le 27 février dernier, Un animal sauvage, c'est le nouveau roman de Joël Dicker. Je le disais, dès sa sortie, c'était numéro 1 en France, en Italie. En Espagne, je rappelle que l'affaire Alaska Sanders, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont découvrir Joël Dicker via Un animal sauvage, et ça c'est un côté génial, quand on lit ça, on se dit putain j'adore, et on se rend compte qu'il y a eu 6 autres romans avant qui sont encore disponibles. Je précise également que vous allez être en dédicace en Europe, là, durant les mois de mai et de juin, notamment vous serez au salon de Turin le 11 mai, et en signature à Lausanne le 16 mai. Quand on dit les chiffres, il y a un côté assez dingue, vous êtes l'auteur donc... précédemment de 6 romans, 7e avec celui-ci, traduit en 40 langues, qui se sont vendus en 15 millions d'exemplaires. C'est un truc de fou. Est-ce que justement, dans les adaptations à l'étranger, vous avez un regard, par exemple, sur les prénoms? Est-ce que des fois, il y a des choses qu'on se doit un peu de changer pour... Non, il n'y a pas beaucoup de changements. Il n'y a jamais de changement de prénom, de choses comme ça. Vous n'avez pas peur que les Américains lisent en disant « Bon, il s'appelle Airpad, lui. » Non, tout ça reste. Il y a des questions. Parfois, les traducteurs essaient de comprendre le sens d'une phrase ou ce que j'ai voulu dire. Mais c'est assez limité. Hein. C'est presque un autre livre puisque je l'ai écrit en français et il est lu par d'autres lecteurs dans d'autres langues. Et c'est plus la même chose. La vérité sur l'affaire Harry Kéber a été un gros succès à la télévision. On en a parlé tout à l'heure avec Patrick Dempsey, notamment. Les autres, pour l'instant, n'ont pas été adaptés, ni en télé, ni au ciné. C'est par choix, c'est parce que personne n'est venu vous le proposer. Et moi, je vous le dis, combien ça coûte parce que Non, ça me plairait bien parce que c'est toujours amusant, mais il y a beaucoup d'intérêt. Mais... c'est compliqué à faire parce qu'en fait, on me dit souvent, mais vos livres sont très cinématographiques, on voit le film tout de suite ou à la série. Et oui, on voit parce qu'en fait, ça fait appel à l'imaginaire ou à l'imagerie personnelle de chacun, de celui qui lit. Mais quand il faut mettre en image réelle, en film ou en série, ces personnages sur des époques, les allers-retours dans le temps, il y a souvent des grandes différences de temporalité. Est-ce que ce sont les mêmes acteurs? Est-ce qu'on change? Comment ça? C'est compliqué, c'est cher, c'est pas simple. Et à chaque fois que des gens essayent, il y a beaucoup de demandes encore, hein, mais souvent ça tombe à l'eau parce que c'est pas simple. Ce serait plus simple sur celui-ci, puisqu'en termes de temporalité, on est sur un delta d'une vingtaine de jours. Ouais. Donc là... c'est très resserré. J'ouvre la porte à d'éventuels producteurs. Et évidemment, pour avoir soumis l'idée, je demanderai un petit 5%. On reste français quand même. Bon, Joël, c'est la dernière interview de ce bon dimanche chaud. C'est l'interview des 20 dernières secondes. Je vous pose, c'est même pas des questions, je vous donne des choix. C'est très manichéen. Très vous choisissez, vous n'êtes même pas obligé de m'expliquer le pourquoi du comment. On y va? On y va. Top chrono. Lire ou écrire? Lire. Chocolat suisse ou montre suisse? Chocolat suisse. Sauvage ou domestique? Ah, sauvage. Suspense ou rebondissement? Rebondissement. Commencer un livre ou finir un livre? Commencer un livre. Prix Goncourt ou prix du public? Ah, prix du public. Énigme ou vérité? Énigme. Et il était temps que l'émission se termine puisque la dernière c'est
Un polar ou une polaire? Une polaire en ce moment. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir, Joël, vraiment. C'était une grande joie pour moi. J'ai adoré ce livre et je sais que vous allez l'adorer aussi. Ça s'appelle Un animal sauvage. Et vous savez, moi, je fais partie de ces adolescents qui ont été traumatisés par la lecture à l'époque du collège et à l'époque du lycée parce qu'on nous imposait des bouquins qui souvent étaient très durs à lire à l'âge de 15 ans. Et on se rend compte qu'en les ouvrant une quinzaine d'années après, ouais, on les apprécie. C'est typiquement le genre de bouquin qui peut vous amener vers l'envie de lire et de redécouvrir avec plaisir la lecture. Donc rien que pour ça, merci. Merci, merci beaucoup. Merci, Benoît, merci infiniment. Et puisqu'on parle de livres, sachez qu'il sera encore question de bouquins de la semaine prochaine, mais avec quelqu'un qu'on a plutôt l'habitude de voir derrière une caméra. C'est Jean-Marie Poiré qui vient de sortir un bouquin où il parle d'anecdotes sur la plupart des films sur lesquels il a travaillé, évidemment Les Visiteurs, évidemment Papy fait de la Résistance. C'est un livre bourré d'anecdotes, on en parlera avec lui la semaine prochaine. Merci beaucoup Joël. Merci. Avant d'accueillir les meilleurs moments des Grosses Têtes, merci à ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission de ce dimanche. Karina Siamer, François Touchard, Agathe Deschamps, Valérie Zetoun, Thaïs Vauquier et Caroline Détrez. Et puis surtout, merci à vous, auditeurs d'RTL, de faire du Bon Dimanche Show un succès, puisqu'il y a quelques jours, les sondages Médiamétrie ont été édités. Et c'est un véritable succès pour l'émission, avec une hausse d'audience le dimanche entre 14h et 15h30. Soyez remerciés pour ça. On reviendra avec grand plaisir dimanche prochain. Tout de suite, les meilleurs moments des Grosses Têtes sur RTL.